Salut à tous. Catalina est l'une des telenovelas les plus populaires de l'année 2016. Elle est la continuité de la célèbre série Sin Tetas no Hyperaizon qui retraçait l'histoire d'une jeune fille prête à tout pour se faire remarquer par un narcotrafiquant. Mais aujourd'hui, Catalina n'a rien à voir avec la première production parce qu'elle est une série moderne par son casting d'acteurs très connus en Colombie. Le feuilleton Catalina unit à jamais la vie de deux sœurs qui portent le même prénom, Catalina. En outre, il y a aussi la présence de Jessica La Diables, l'amie d'enfance de la grande Catalina, prête à tout pour éliminer la pauvre famille de Catalina qu'elle voit comme un danger. Jessica est une femme avide, trompeuse, ambitieuse et cruelle. Pour obtenir le pouvoir et l'argent, elle n'hésite pas à raser tout sur son passage, y compris des centaines de vies humaines. Restez avec nous sur JFB TV tout au long de ce reportage et nous vous présenterons tous les personnages qui sont morts dans cette série. Mais bien avant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, nous vous invitons à vous y abonner et à activer la cloche de notification. Les personnages qui ont perdu la vie. Dans les images qui suivent, nous vous montrerons comment Pélambre, Martial, Hernan Dario, Adriana et le reste des personnages meurent dans la première, la deuxième et la troisième saison de la série. Avant et après le retour de Catalina de la mort, plusieurs personnages ont connu une fin tragique dans chacun des épisodes de la série. Dans la guerre à mort que Catalina et la Diablesse se sont déclarées, il y a plusieurs personnages qui ont été tués. Au fil des saisons, nous nous sommes demandé tous si la Diablesse mourra ou quand la mort d'Albero et de Rotica arrivera. Avant que cela ne se produise, nous vous montrerons quels sont les personnages qui sont morts, qui mourront et de quelle manière. Martial Barrera meurt entre les mains de Titi. La mort de Martial a été très émouvante pour les fans et les acteurs de la série. Un personnage tellement aimé et détesté est mort entre les mains de Titi, qui a même pu l'embrasser. Franklin a été victime de la Diablesse. Désespérée, la Diablesse a tourné toute sa haine contre Franklin, qu'elle a ordonné d'enterrer dans deux tombes après 6 coups de feu. Hernan Dario retrouve sa mère morte. À l'épisode 51, nous avons assisté à l'une des scènes les plus déchirantes. Hernan Dario a trouvé sa mère sans vie au milieu de la forêt. Pipe et Mugroso s'entretuent dans une fusillade. Mugroso part à la recherche de Pipe sur ordre de Daniela, qui est restée aux commandes après la mort simulée de la Diablesse. « Je ne travaille pas pour de l'argent, je travaille pour la passion, l'amour », étaient les répliques de tueur à gage de la Diablesse à Mugroso. Pélambre meurt sur son lit d'hôpital. Dans un adieu émotionnel, Martial présente ses excuses à Pélambre, qui sur son lit de mort lui demande de le laisser mourir en paix. La mort de Pélambre a été sans aucun doute l'une des plus émouvantes de la série. Gato Gordon meurt dans les mains de la Diablesse. Gato Gordon est sur son lit de mort quand la Diablesse lui apparaît pour réaliser son désir de mourir dans ses mains. Yeshov ? Non, non, Jessica. J'ai envie que vous le fassiez vous-même. Je veux avoir l'honneur de mourir. L'honneur de mourir de la propre main de la fameuse
Diables. Flavia meurt et Rotika tue Mayra dans une fusillade. L'émotion est aussi arrivée à son comble lorsque dans l'une des scènes les plus mémorables de toutes, Flavia meurt et Rotika tue Mayra par accident. Hannibal est poignardé par la Diablesse. Dans sa soif infinie d'argent et de pouvoir, la Diablesse assassine Hannibal de plusieurs coups de couteau après l'avoir forcé à révéler où se trouvait sa fortune. Adriana décède à l'hôpital après avoir reçu un baiser. Une explosion dans la maison des Marines laisse Adriana comme victime. Les brûlures et les blessures ont beaucoup affecté Adriana, bien que le pire ait été ses dernières secondes de vie. Le suicide de Daniela remplit la Diablesse de douleur. Même Catalina Santana n'avait pas fait souffrir la Diablesse autant que la mort de sa fille Daniela. De plus, la Diablesse découvre que sa fille est porteuse du VIH. Hernan Dario décède à cause de Titi et Mariana. L'une des morts les plus choquantes de la troisième saison de Catalina est la mort de Hernan Dario lorsqu'une bombe a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé au juste dans la saison 4, la fin du paradis ? Mariana, la fille de Catalina la Grande, a regretté tout ce qu'elle avait fait pendant ces deux saisons. Alors, elle a décidé de présenter des excuses à sa mère et aussi de lui donner sa fille, car le petit bébé irait mieux avec sa grand-mère. J'ai besoin que tu t'occupes de Catalina. Je ne peux pas risquer la vie de ma fille. Beaucoup de gens me cherchent et je ne veux pas que ma fille prenne un risque. Maman, mon bébé ne peut pas être entre de meilleures mains que les tiennes, a dit Mariana à sa mère Catalina. Suite à cela, la jeune fille s'agenouille et s'excuse auprès de sa mère. Catalina se met à pleurer et s'agenouille avec sa fille pour lui dire qu'elle aime et lui pardonne tous les dommages qu'elle a causés. Alors, elle lui demande de se rendre et qu'elle ferait tout son possible pour que sa peine ne soit pas maximale. Tout semblait se terminer de la meilleure des façons lorsqu'Alex donne l'ordre de tuer Mariana et elle tombe au sol avec une balle dans le cœur. Catalina ne peut pas croire ce que ses yeux voient, et elle pousse un grand cri de douleur profonde, car elle assiste à l'extinction de la vie de sa fille. Lors de son dernier souffle, la jeune femme demande à sa mère de parler d'elle à sa fille, et de lui dire qu'elle l'aime beaucoup, et qu'elle l'accompagnera toujours dans ses pensées. Puis Mariana rend l'âme. Elle meurt dans les bras de sa mère, mais avant de s'excuser pour tous les dégâts qu'elle a causés. Après ce terrible acte de vengeance, Alex Mondego rencontre Quina et lui demande de remplir sa part de l'accord. Mais ce à quoi le trafiquant de drogue mexicain ne s'attendait pas, c'est qu'elle serait tuée par sa propre sœur. La Reina n'a pas réfléchi à deux fois et lui a tiré dans le cœur, mettant ainsi fin à son plus grand ennemi. Le travail de Mariana et la Quina est devenu très dramatique dans l'histoire de cette dernière saison. Les deux femmes savaient qu'à un moment donné, elles devraient payer pour tous les crimes qu'elles avaient commis. Mais au finish, qu'est-il arrivé aux personnages de Titi et de Catalina Santana? Et bien après avoir regardé le dernier épisode de la série, la réponse n'est peut-être pas celle à quoi beaucoup s'attendaient, car le Titi se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, quand la Diablesse allait tirer sur Catalina Santana et a reçu un coup de feu qui l'a laissé dans le coma. Plus tard, Aurelio Jaramillo, alias le Titi, après avoir sauvé Catalina Santana, a été admis dans un hôpital, toujours dans le coma. Jusqu'aujourd'hui, son état est grave et les médecins donnent juste peu d'espoir. Quant à Catalina la Grande, avec la capture de la Diablesse, elle a été exonérée de toutes les charges retenues contre elle et promue au sein de l'agence en reconnaissance de ses actes. Elle consacre désormais ses journées à sa petite-fille Catalina et à la fondation Sin Signos si hay paraíso, c'est-à-dire « Sans les saints, il y a le paradis ». Ses amis et sa famille disent que Catalina se rend à l'hôpital tous les jours pour visiter le Titi en attendant le jour où il pourra se réveiller.
Nous sommes au terme de cette vidéo. Alors, l'avez-vous aimée? Si oui, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec tous vos amis. En somme, retenons que la dernière saison de Catalina, intitulée El Final del Paraíso, c'est-à-dire la fin du paradis, a atteint son apogée et a été classée comme trop tiède pour l'histoire intense qui a été suivie pendant 10 ans avec le début de cette série à succès. Cependant, la tension dramatique, l'actualisation de l'histoire, le charisme des personnages et la puissance de son audience a fait d'elle l'une des séries les plus populaires de l'histoire de la télévision colombienne. Mais dites-nous, parmi les différentes morts de ces personnages emblématiques, laquelle vous a le plus affecté? Merci de nous laisser vos réponses en commentaire. À très bientôt sur JFB TV.